Récupère Wang, sa passe est captée par Berthelot. Berthelot utilise la bande pour dégager. Ça devient une passe pour Armstrong, mais qui est rejoint. Passe captée là, pour Newcomb. Attention, entrée territoire de Newcomb. Newcomb, une feinte au départ de Wang. Ça, c'est le but. Dès le début, là, Jacob Newcomb poursuit sa séquence et marque un but après 27 secondes. Et bien, bien. Qui d'autre que Jacob Newcomb? On en a parlé avant le match. C'est repris par Prudhomme. Prudhomme, une longue passe que Morin dévie. Revient à Schmidt. Schmidt envoie à l'intention de Newcomb. Newcomb, une passe. Oh, captée par McDonald. Attention, mini 2 contre 1. McDonald, au côté, le tir de Squires et le but. Cam Squires qui marque sur la séquence et la série qui vient de se décrire parfaitement. Opportunité pour les Sags et les Eagles qui marquent après. Exactement. Si c'était pas que c'est 2-0. Depuis le début de cette première période, on doit bâtir sur le fait que les Eagles ont marqué 2 buts en 4 minutes. On peut le faire aussi. Desrosiers dans le fond du territoire. Desrosiers veut revenir devant son tir bloqué. La rondelle est tout près du demi-cercle. Desrosiers, au-dessus, fait très instant. Et le but! On a donné le but. Emmanuel Vermette qui marque. On va sûrement aller revoir la séquence, Jonathan, mais Emmanuel Vermette qui réduit l'écart. Si on valide le but, c'est un premier en séries éliminatoires cette année pour Emmanuel Vermette. Laisse derrière pour Sibulka. Sibulka entre en territoire des Sags. Protège le disque. Sibulka revient sur ses pas. Sibulka, Squires dans l'enclave. Attention, Squires de le côté, le tir de Newcomb et le but. Jacob Newcomb marque son deuxième, Jonathan, 5 buts en 2 matchs pour l'ancien des Sags. Ouais, est-ce qu'on se consulte au banc des Saguenayens, on devrait envoyer Raphaël. Vermette remet le disque à Duquette. Duquette garde la rondelle. Duquette en zone neutre, envoie rapidement pour Guité. Guité rentre en territoire offensif, vous donnez un tir et le but! Émile Guité qui réduit le casse, c'est 3-2! Enfin, Émile Guité qui marque à nouveau son premier but depuis le quatrième match de la série contre les Wildcats de Moncton. C'est un deuxième en série. Émile Guité qui a... Ils ont joué remporté par les Sags. Ça revient à Bullens. Bullens s'avance, laisse derrière pour Guité. Guité, de près de la ligne bleue, envoie à Bullens. Bullens, quelques feintes, veut tirer, revient, s'avance. Bullens envoie au filet, c'est devient. La rondelle est bloquée par Uchiha. Aucun retour alors qu'on se fait insistant du côté des Sags. Après, il y aura... On doit pas répéter la même expérience. Ils ont joué remporté par les Sags. Panocha pousse en territoire des Eagles. Oh, Uchiha par la disque. La rondelle est dans le filet. Fontaine est le but. Revirement des Eagles et Jacob Lafontaine crée l'égalité. Un deuxième but en deux matchs, mine de rien pour Jacob Lafontaine. Et là, Nicolas Uchiha a eu un petit peu l'air fou sur la séquence. C'est un dégagement. Massé récupère. Massé s'avance. Massé, une longue passe pour Armstrong. Armstrong, son tir de loin est bloqué par Uchiha. Le retour de disque libre. Armstrong, le retour, quel arrêt! Oh. Et alors, le tir, la rondelle qui termine sur le filet protecteur. Oh, quelle chance ratée par les Sags sur la séquence. Quel arrêt in extremis de Nicolas. Son tir bloqué par Uchiha. Le retour revient tout près. Attention, l'opportunité pour les Eagles, c'est Squires. Squires veut couper entre les défenseurs. Laisse pour Newcomb. Newcomb derrière, attention. Deg, son tir, la fin de le tir, le but. Les Eagles qui reprennent les devants encore une fois alors que Yannick Jean est en furie. Après les officiels, on dit qu'il y a une passe avec la main. Il y a une passe avec la main, ouais, Yannick Jean. J'ai hâte de voir si on va aller voir à la reprise vidéo. Passe pour Guité. Excellent trio aujourd'hui des Sags. Ouais. Morin, Guité et Lecomte. Une longue passe que Squires récupère et laisse rapidement là, à l'intention de Newcomb. Newcomb laisse à McDonald sortir le but. Oh, et là, ce but-là va faire très mal, Jonathan. Ouais, absolument. On n'est même pas à mi-chemin dans le match. François, il y a déjà 8 buts de marqués. Protège le disque. Fait glisser pour Daigle. Daigle, il va d'un long lob. Attention, possible échappée pour les Eagles. C'est Patterson. Patterson s'avance. Une feinte, un tir. L'arrêt de Précourt. Et celui-là, ben, pas besoin de rappeler l'importance. Beau travail de Précourt. Ouais, au moment de l'arrêt, Yannick Jean qui tente d'encourager. McDonald. McDonald pousse pour Squires. Attention, possible de contre un. Là, Newcomb, pleine vitesse. Envoie de l'autre côté pour Sibulka. Sibulka, il y a Squires qui est là. À Newcomb, à Squires, son tir et le but. Oh, ce but-là va faire très mal aux Sags. Cam Squires et encore une passe pour Jacob Newcomb. Un sixième point, Jonathan, aujourd'hui. Incroyable, mais vrai. Et encore une fois, là, c'était le 22e tir des... Vachon, on veut envoyer derrière pour Leroux. Le disque est dans ses pattes. Attention, possible échappée de Lucas Romeo. Romeo qui est seul. Romeo, une feinte, une deuxième, son tir, le but. Voilà le septième but des Eagles. Avance de 4 en deuxième période. Ah, c'est le monde à l'envers. Il s'est écoulé en troisième période. Longue passe tentée pour Armstrong. C'est intercepté par les Eagles. Ça revient à Wang. Wang laisse derrière pour Bullens. Bullens traverse le centre, va rentrer du côté gauche en territoire des Eagles. Quelques feintes. Bullens s'avance, on tire, devient le disque libre et l'arrêt de Uchiha. Les Sags veulent insister, mais. Ennemi avec 11:45 à faire. Desrosiers revient sur ses pas, laisse derrière pour Guité.
Il était quelques feintes là, il rejoint. Desrosiers envoie pour Morin dans le fond du territoire. Le disque élève le but! Morin qui a envoyé la rondelle. Drôle de manière au filet, ça semble avoir été. Nathan Lecomte là, qui. Alors François, la remontée est amorcée chez les Eagles. Ils ont joué remporté par les Sags. C'est Wang qui récupère et laisse à Desruisseaux. Desruisseaux s'avance à Armstrong au cercle droit. Armstrong derrière à Wang. Son tir bloqué, le retour, le but! Maxime Massé qui marque avec 3,56 à faire. Il y a deux buts d'écart. Pourquoi pas, François? Alors, 7-5, le tir là, d'Alex Wang qui a été d'abord. Jadis Précourt est parti. Là, c'est Desruisseaux qui le remplace. Morin laisse justement à Desruisseaux. Desruisseaux, une passe pour Morin. Morin derrière à Desruisseaux pour Wang. Wang, une passe pour Guité. Son tir bloqué, le retour. Malheureusement, personne pour les Sags. Hood à Roy. Roy va passer pour Fullerton qui va compléter là, dans un filet désert le 8e but des Eagles. Il va mettre un terme à cette saison des Sags. Après une belle victoire en 4 matchs face aux Wildcats, les Sags seront balayés par les Eagles. Oui, absolument. Et beau travail là, de l'organisation des Saguenay. On demande à faire du bruit pour cette fin de saison. Alexis Morin, Craig Armstrong et Jonathan Desrosiers, dans 4 secondes, verront leur parcours junior se terminer. La saison des Saguenayens qui est terminée. Les Eagles du Cap-Breton atteignent le troisième tour des séries. Les Sags sont blanchis en 4 matchs. Et beau travail